Et salut à tous et à toutes, c'est Sam. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte. Donc, vous le voyez à l'écran, donc sur un jeu qui met en avant donc la verdure, les arbres, le bitume également. Donc, on se retrouve sur Drive Club et les éléphants. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte donc sur Drive Club, le jeu qui sortira donc exclusivement sur PlayStation 4. À savoir qu'il y aura une version light qui sera proposée sur le PlayStation Plus donc gratuitement. Donc ça c'est intéressant de le savoir. Donc c'est édité par Sony, développé par Evolution Studio, donc le studio qui était à l'origine des MotorStorm. Et ça sortira donc le 8 octobre, donc comme je l'ai dit, exclusivement sur PlayStation 4. Donc je rentre tout juste de la soirée donc de lancement de Drive Club. Donc j'ai pu récupérer donc le jeu. Donc c'est pas dans sa boîte classique, hein, mais j'ai pu récupérer donc le jeu dans un petit boîtier comme celui-ci en carton. C'est sympathique, hein. Et donc on va pouvoir se lancer un petit peu donc dans ce jeu exclusif à la PlayStation 4, je le redis, et voir un petit peu donc ce qu'il a vraiment dans le ventre. Donc j'y ai un peu joué durant la soirée, vraiment très brièvement. J'ai dû faire deux ou trois courses au volant et puis à la manette. Alors au volant c'était vraiment difficile pour le Sams, mais voilà. Sinon le jeu avait l'air quand même relativement assez facile. Il avait l'air assez facile, à savoir que Drive Club est un jeu qui est surtout basé sur le scoring. En tout cas, en ligne, ça sera énormément basé sur le scoring. On va essayer de jouer en vue cockpit, hein. Je vais vraiment essayer de jouer en vue cockpit le plus possible, histoire que l'immersion soit au maximum. Ça va, j'ai réussi à... Eh non, mais c'est pas moi. Vous avez vu qu'il y a un système donc de points, hein, qui était juste en haut, et ça m'a mis impact sur véhicule moins 200 points. Alors que c'est pas moi qui avais poké. Oulala, voilà, impact sur la piste moins 100 points. Donc vous voyez que c'est vraiment le jeu récompense vraiment le pilotage en fait. Il faut vraiment être bon, il faut vraiment faire attention à ne pas rentrer déjà dans les à pas rentrer dans les concurrents déjà, et puis surtout à bien conduire, voilà, à bien conduire. Par contre, les bruitages sont un petit peu dégueulasses, hein. C'est les crissements de pneus ou et le bruit du moteur n'est pas foufou. Donc, en tout cas, j'ai réussi à prendre la première place. En même temps, c'est la première course. Je vais vous montrer les autres vues. Hop. On va jouer un petit peu comme ça. J'aime vraiment pas la vue véhicule. Un petit peu rester en vue ras du sol. Donc il n'y a pas les pointillés. C'est la vue que je préfère, hein. La vue ras du sol, c'est vraiment la vue que je préfère. Être vraiment au ras du bitume, pour comme ça, bah, en fait, il y a un maximum de visibilité en fait, comme ça. Et que ce soit dans Gran Turismo ou dans n'importe quel jeu de course en fait, quand j'en ai pas beaucoup. Mais quand je joue à des jeux de course, je prends toujours, quasiment toujours, la vue ras du sol. Alors même si même si là c'est vraiment un jeu d'arcade, hein. C'est vraiment la vue sur laquelle je pense que je vais prendre le plus de plaisir, même si je pense que comme j'ai dit, hein, pour l'immersion c'est plus sympa pour vous. Je vais rester en vue. Enfin, vous avez vu ce virage tout à l'heure par exemple, j'étais vraiment foncé dans le décor. Voilà, pour vous, comme ça, je pense que c'est plus sympa comme ça à regarder. N'hésitez pas, tiens, d'ailleurs, dans les commentaires, parce que c'est quelque chose qui est envisageable, hein, qui est largement envisageable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez voir plusieurs vidéos de Drive Club. Ça pourrait motiver pour en faire quelques-unes sur certains circuits, ou peut-être, pourquoi pas faire des vidéos du mode carrière, sur le mode carrière. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être sympa. Fou là là, attention. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être sympa. Donc à voir si après le jeu est... Ouh là là, tu restes tranquille. Ah non! C'est quoi ça? Oh, il m'a doublé sur le fil! Ah non, je l'ai mauvaise. Ah, je l'ai mauvaise. En plus, Camille Bernard, quoi. Camille Bernard. Merde. Ah, c'est con! Position finale, deuxième. Ah, putain, merde. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Toute première fois.
Pardon. Pardon. Non, on va continuer, on va pas recommencer, ça sert à rien. On va vraiment essayer d'avancer, histoire de vous montrer le plus de courses possible. Appuyez sur le pavé tactile pour revenir immédiatement à l'écran d'accueil depuis n'importe quel menu. D'accord, c'est bon à savoir. Donc le multijoueur n'est pas encore ouvert. À l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, on est quelle date? On est le 2. On est le 2. Il est 2h44, pardon, on est le 27 septembre. La vidéo sera postée, de toute façon, c'est rien que je vous disais quand la vidéo sera postée, puisque vous le verrez. Vous le verrez. Mais on est le 27 septembre à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc j'ai eu le jeu assez tôt. Donc ça va permettre de vraiment pouvoir faire le tour du jeu pour pouvoir proposer un test assez complet. Conduire, mode solo, créer club. Donc pour le moment, les fonctionnalités en ligne sont vraiment pas disponibles. Vous devez mettre à jour, voilà. Donc les fonctionnalités en ligne seront disponibles prochainement. En tout cas pour moi, il y a le garage. Qu'est-ce que c'est le garage? Accepter. D'accord. Donc ensuite, on débloque les véhicules petit à petit. L'oiseau fait son nid. Attends, c'était quoi la voiture que j'avais là? Hatchback sportive, une Mini Cooper. D'accord. Et donc forcément, au fur et à mesure... On va monter dans les gammes. Oh, celle-là, elle est belle. La petite Alfa Romeo. Alors, c'est dommage que les voitures ne soient pas classées par marque. Mais vraiment par niveau. Audi RS6. Je pense qu'il devrait y avoir encore du Audi un peu plus haut. J'aime bien Audi. Hein. Audi, c'est vraiment la marque de voiture que j'affectionne. Ça, c'est vraiment la voiture que je conduirai jamais. J'aime pas du tout les monoplaces dans les jeux de course comme ça. D'accord, ça je connaissais pas du tout, elle est super jolie. Il y a vraiment des marques, cette marque-là je la connais pas du tout. J'en ai jamais entendu parler, j'ai jamais vu. Et donc l'ultime caisse, c'est niveau 40, donc apparemment. Je pense qu'il va falloir y aller pour aller au niveau 40. Et donc il n'y a pas de... donc ouais, c'est classique, on la voit dans tous les jeux de caisse. On la voit vraiment vraiment dans tous les jeux de caisse. La McLaren aussi. Hein. Elle est super belle. Elle est vraiment super belle, la Pagani. Ah là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre Audi. Ah si, il y a quand même la Audi R8. Voilà. Ah, la voiture vraiment que je kiffe. Si les copains, vous avez beaucoup d'argent et que vous ne savez pas trop quoi en faire. Voilà. C'est alors pas en bleu. Hein. En bleu, c'est pas, je la trouve pas très très belle. Mais voilà. Enfin bref, on va quitter ça et puis on va continuer donc d'avancer en solo. Mon profil, je regarde juste ce qu'il y a dans mon profil. Progression et statistiques. D'accord, il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a vraiment pas grand chose. Ok. Donc on va retourner. Et puis on va continuer à conduire solo. Épreuve simple. On va continuer donc ici. Donc vous avez vu. Ah, donc, ok, d'accord. Donc ça se présente comme ça avec un système d'étoiles. Donc sur la course que j'ai fait, j'ai eu 2 étoiles sur 3. Donc il y a des petits objectifs apparemment. Donc on va faire celle-ci. Hein. On va faire celle-ci. Terminer dans le top 3. Et donc voilà, faut que je réussisse les 3 finir le tour en moins de 53 secondes. Donc pour le moment, je peux uniquement choisir jouer avec ma Mini Cooper. Et on peut personnaliser les... Ah, c'est pas mal ça. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, ah mais ça, de toute façon, quoique, on est dans une vidéo découverte, on peut y jeter un œil rapidement. D'accord, oh là là, le truc qu'on pompait sur Forza. D'accord. J'ai juste appu... J'ai pas compris pourquoi ça... Ça a chargé comme ça d'un coup. Je pensais qu'on aurait le temps. Ah là par contre c'est pas très joli. Hein. Là, c'est pas très très joli avec la présentation de la course comme ça. Mais sinon, dans son ensemble, je trouve le jeu plutôt bien foutu pour le moment.
Et alors, tiens, j'ai souvent parlé de Drive Club sur. Moins de 100, ça commence. J'ai souvent parlé de Drive Club sur Je Capte, l'année dernière surtout, lorsque. Ouf. L'année dernière surtout, lorsque j'avais été en event, peu de temps après la sortie du jeu, peu de temps après la sortie de la PS4, avant la sortie de la PS4, oh là là, je fais n'importe quoi! J'ai fait n'importe quoi. Peu de temps donc avant la sortie de la PS4, et j'avais le jeu à l'époque était vraiment, 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 vraiment très, très moyen. Et en toute honnêteté, ils l'ont grandement amélioré entre-temps. Mais vraiment, 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 ils l'ont quand même beaucoup, beaucoup peaufiné depuis. Alors, est-ce que ça va être suffisant? Pour le moment, c'est assez. C'est juste quelques tours, hein, histoire de voir un petit peu, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, c'est quand même déjà mieux. Hein. Mais est-ce que ça va vraiment. Est-ce que ça va vraiment révolutionner le genre? Oh. Pour l'instant, c'est pas fou, voilà, c'est sympa. C'est sympa, mais c'est pas transcendant. C'est vraiment pas transcendant. Moi, je suis 12e, hein. J'essaie de commencer à remonter les positions petit à petit. Donc voyez qu'il y a vraiment des petits objectifs là. Ce serait bien que je réussisse à remonter. Voilà, c'est bien. Hop. Il faut vraiment. Alors ce que j'aime bien, c'est que vraiment le jeu récompense la bonne conduite. Alors du coup, pour vraiment essayer de scorer un maximum de points, enfin pour vraiment essayer de pour marquer le plus de points possible. Oh là là. Impact sur véhicule, mais c'est lui qui m'a foncé dedans. Tu vois, voilà, ça par contre, je pense que ça va vraiment être un problème. Les joueurs en tout cas, oh là là. Les joueurs vont vraiment faire en sorte de bien conduire. Et ça, je pense que ça peut vraiment être quelque chose de cool. Donc on voit qu'il y a un cycle jour-nuit, alors c'est pas foufou. La nuit est vraiment tombée très très vite. Là vous avez vu que j'ai réussi à battre le. Ah là 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 là, j'ai fait beaucoup de. Je fonce un petit peu dans tout le monde. Je suis désolé. Je suis désolé. Allez, on réussit à passer à l'intérieur. Ah là là là. Ah. En fait, là, ce qui m'a vraiment craqué sur ce circuit, c'est vraiment le tout début en fait. C'est vraiment le tout 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 début. Terminé dans le top 3. Vous avez vu, j'aurais dû. Ah! Ouh! Niveau 2, trophée. Gagne niveau. Et j'ai débloqué. Là, bah c'est la New Beetle. C'est ça, hein? Il me semble que c'est la New Beetle. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Oh, voilà, Volkswagen Beetle en plus, c'était marqué. Avec deux peintures. On va continuer. J'ai vraiment essayé de vous montrer un maximum de circuits différents, histoire que vous ayez le plus possible de variété. Donc ça c'est ça fait vachement un. Donc pour le moment en tout cas j'ai accès à toutes ces courses. Ensuite j'aurai accès à ça. Il y a l'air d'avoir pas mal de contenu par contre. Il y a vraiment l'air d'avoir pas mal de contenu. C'est plutôt sympa. On voit qu'il y a quand même. Enfin, ils sont pas contentés de filer juste quelques courses. Ça a l'air plutôt fourni. Ça a l'air plutôt fourni. Essai de Kayosh. Jouer. Donc forcément, hein, je vais. Ah d'accord. La Mini Cooper est quand même plus. Plus performante que la New Beetle. On va garder la Mini Cooper. Hein. On va la garder d'usine. Et donc oui, ça, je pensais vraiment que ça ferait en fait comme dans Forza en fait où on pourrait vraiment interagir à l'intérieur de la caisse. En fait, non.
objectif temps 3.05 au moins. Ah d'accord, donc là c'est une course contre la montre. Je vais changer de vue. Je vais mettre comme ça. Pour celle-ci, en tout cas. Et on va essayer de faire un bon circuit. On va essayer de faire un bon tracé. Sans faire trop de bêtises. Donc c'est très arcade. Hein. C'est vraiment très arcade. Faut vraiment pas s'attendre à un jeu simu. C'est vraiment de l'arcade à 100%. Vraiment à 100%. Vous avez vu que je suis quand même plus à l'aise avec ça, avec cette vue là. Il y a plus de visibilité en fait, hein, tout simplement. Ouf, ouf, ouf. Et puis il a fallu que je parle pour me craquer. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça dans tous les cas. Il faut qu'on parle pour se craquer, pour faire des bêtises. Donc là, j'essaie vraiment de faire en sorte d'avoir le meilleur temps possible. Attention là, le gros virage. Après, sur ce jeu, je pense qu'il faudra énormément jouer avec le frein à main. Donc je vais pas le faire là encore. Hein. Mais oui, je pense que puisque ça compte vraiment ça prend vraiment en compte la conduite. Ouf, pénalité de virage, pardon. Oh là là. Vous avez vu, ça a été fatal. Hein. J'ai coupé moins 250 points. Ah, ils ont pas blagué. Donc du coup je me retrouve avec 50 petits points. Et donc oui, comme je disais, donc puisque le jeu prend vraiment en compte les exploits qu'on fait durant la course, on va vraiment faire genre les drifts, les bons dépassements. Je pense du coup va vraiment falloir beaucoup jouer avec les drifts. J'ai eu peur d'aller poker là-bas. Déjà que j'ai que 50 points. J'aimerais pas me retrouver à moins à 457. Ouh. Mais c'est. Enfin, le jeu a l'air plutôt varié, hein, puisqu'il y a quand même l'air d'avoir pas mal de circuits. L'effet de vitesse est plutôt sympa aussi. Ouf. D'accord. Ah là, je me disais, parce que mon score avait augmenté. Puis bon, en fait, il a vite rebaissé, malheureusement. Là vous avez vu qu'on est passé quand même par pas mal de paysages différents, enfin pas mal de paysages différents, non mais pas mal de zones, on va dire, plus ou moins différentes. Je suis pas très loin de la fin. Peut-être que je vais réussir à faire moins de 3.5. 3, 4, 3.5 pile quoi. Ah là là, dommage. Dommage. Ah, j'aurais pu avoir les 3 points. Vous avez vu, 3.05. J'ai fait 3.05, 0.90. Mais c'est largement faisable. C'est vraiment très largement faisable. Encore 3 km. D'accord, j'ai pas vu le truc. Donc c'est marqué encore 3 km avant le niveau 2. On va continuer. Ça fait 20 minutes de vidéo. Je pense que je vais en faire une dernière. Je vais partir pour faire la course en Inde. Après, en dessous, il y a le défi Volkswagen. C'est un petit peu comme Gran Turismo aussi. Donc, il y a des défis qui sont propres à chaque type de véhicule terminé dans le top 3. Atteindre une vitesse d'au moins 201 km/h. Terminé dans le top 3. Temps de 3.45 au moins. Terminé dans le top 3. Terminé le championnat avec au moins 20 points. Alors que là, ça va être un championnat en deux manches. D'accord. Donc on va garder donc la Mini Cooper, hein, puisqu'elle est meilleure. Donc je pense qu'on va se laisser donc juste après cette course, juste après les deux courses. Voilà, juste après les deux courses, on va se laisser. Alors n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du jeu pour le moment, les copains. Pour le moment, mes impressions à chaud, c'est sympa. C'est tout juste sympa. Là, c'est vraiment pas joli. Hein. Là, c'est vraiment pas joli. Enfin, les textures au sol, tout ça, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible pour de la PlayStation 4.
C'est sommaire, voilà. Peut mieux faire. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on peut dire, voilà. Peut mieux faire. Peut mieux faire. C'est sympa. Mais on est en droit de s'attendre à un peu plus venant de quand on connaît les capacités de la PS4. Donc ouais, on verra bien, hein. Je vais bien voir de toute façon à terme ce que ça va donner. Oulala. Ça pardonne vraiment pas l'époque sur les véhicules. Allez, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Ça va vraiment vite, hein. J'aime bien l'effet de vitesse lorsqu'on est en vue ras du sol, hein. Ça, j'ai vraiment l'impression que ça va assez vite. Oh là, j'ai encore poké le bas côté de la route. Voilà, j'ai gagné encore une position. C'est bien, je suis deuxième. On n'est que 8 cette fois. Ah! Il se laisse pas faire, hein. Il se laisse pas faire. Ils appuient, et bah ils accélèrent vraiment, ils essaient vraiment d'accélérer au mieux. Par contre, j'ai pas vu s'il y avait des niveaux de difficulté. Je pense que les niveaux de difficulté va se faire par rapport à notre avancée dans le jeu. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouf, on a réussi à passer. J'ai vraiment resté avec cette vue là pour terminer cette course, en tout cas. Alors je sais pas si je changerai la prochaine parce que je suis quand même plus à l'aise avec la vue du sol, et je prends quand même un peu plus de plaisir à jouer comme ça, même si c'est plus joli, hein. Y a pas de souci, c'est beaucoup plus joli en vue cockpit. C'est plus immersif, hein. Je le redis, c'est plus immersif. Mais la dernière, je la ferai en vue cockpit. La dernière, je la ferai en vue cockpit. Enfin, la course de juste après. Comme ça, il y en aura pour tous les coups. Voilà. Mais comme je disais, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous pensez du jeu par rapport à ce que vous voyez, etc. Sachant que vraiment la conduite est vraiment hyper arcade. Il n'y a vraiment pas une once de simulation là-dedans. On accélère, on freine où il faut freiner, et puis. On se prend vraiment pas la tête. On se prend vraiment vraiment pas la tête. C'est un jeu cool. Voilà, c'est un jeu cool en l'état. Et je vois dans le rétro que ils sont au taquet derrière moi. Ah, c'est très très moche les ballons qui avaient été lâchés. Le ciel est gris, 85% de la course a été réalisée. J'ai pris extérieur. Là, je vais me faire reprendre, je pense. Non, ça va, il est assez loin. 93. Ça, je suis pas mal. Il ne reste plus qu'un petit virage léger à gauche. Et c'est notre première victoire sur Drive Club avec le petit saut à la fin. Laura Walker, mais il y a beaucoup de noms féminins. Voilà, c'est plutôt cool. Manche 1 sur 2. J'ai pris mes 15 points. Donc déjà, si je veux réussir à avoir les 20 points minimum, il me reste plus que. Bah, j'ai juste besoin de faire 5 points. Terminer dans le top 3, atteindre une vitesse d'au moins 201 km/h. Donc ça, c'est bien. Et on va continuer. Terminé dans le top 3, temps de 3,45. Donc là, sur cette course, il faut que je fasse au moins 3 minutes 45. Je pense que j'ai les capacités. Hein. À chaque fois, on a vu que ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Allez, comme j'ai dit, je vais jouer en vue cockpit. Je vais essayer de jouer vraiment au mieux avec cette vue-là. Et si je vois que je galère un peu, par contre, les copains. Je pense que je rechangerai pour ma vue
fétiche, on va dire. Hop là. Là, déjà, je suis troisième. Je suis plutôt bien placé. Ah, c'est assez aveuglant, en plus là, le soleil, ça c'est plutôt bien fait. L'effet du soleil sur le... Ah là là, vous avez vu, ça m'a vraiment gêné. Hein. Là, pour le coup, ça m'a vraiment, vraiment gêné. Là, c'est plutôt bien fait, le soleil, comme ça, qui nous tape à la gueule. Ah là là. Les copains, je vais changer. Je vais remettre en vue ras du sol. Je pense que je vais le faire. Je suis à deux doigts de le faire, en tout cas. En toute honnêteté. Même si je rapproche. Non, sincèrement, la vue. Oh là là. Je peux pas. Je peux pas. Je vais continuer comme ça. Je vais vraiment continuer comme ça, essayer de terminer comme ça. Et puis, je m'améliorerai en offline pour vous proposer quelque chose de bien avec la vue cockpit. Voilà. On va dire ça. On va dire ça. Hop. En tout cas, l'effet du soleil là-bas, il était plutôt sympathique. On reprend l'intérieur. Voilà. Ah non, non, non. Je suis en train de faire n'importe quoi. Pardon. J'ai pas fait de détails. Je lui ai explosé sa caisse. Promis, sur les prochaines, je jouerai mieux. Je jouerai beaucoup mieux. Je serai un véritable pilote. Voilà. C'est dit, c'est signé, c'est acté. Mais je jouerai mieux. Voilà. Je suis à 61% de la course, je suis à 2 minutes 12. Il faut que je fasse minimum 3,45, il me semble, si je me souviens bien. Le tracé a l'air un petit peu similaire, par contre. Un petit peu, j'ai dit. J'ai une seconde d'avance. Faut vraiment que je regarde le radar parce que j'ai pas une grande visibilité sur la route là. C'est pas éclairé. Et je pense que dans tous les cas. Je pense que dans tous les cas, juste après ce. Juste après ce circuit, on va se laisser. On va se laisser juste après ce circuit. Oh là, c'est... Il y a des effets qui sont vraiment pas jolis. Hein. Le ciel rouge comme ça, je trouve vraiment pas ça top. Je trouve vraiment, vraiment pas ça top. Ah, ouf. 3,45 on a dit. Hein. Je suis à 93%. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Mais si j'y arrive pas, de toute façon, ça aura été complètement de ma faute. Hein. Ça aura vraiment été complètement de ma faute. Je pense que je suis large. Voilà. De toute façon, la course est juste là. La fin est juste là. Et voilà. Deux fois deuxième. Voilà. C'est plutôt bien. J'étais plutôt... J'ai pas été trop inquiété. Je pense que l'IA est une IA qui a tendance à tricher. Assez classique hein, dans les jeux de course. Quand t'es premier, elle accélère. Quand t'es dernier, elle a ralenti pour t'attendre. Je pense que c'est ce type d'IA qu'on a. Je pense. Hein. Après, il faudra voir comment ça va rendre. Et puis, si l'IA aussi est vraiment fixée sur des rails ou si vraiment elle prend l'initiative de se décaler. Ça, c'est le type de test que je ferai pour la sortie du, d'ici la sortie du jeu final. En tout cas, j'ai fait le plein de points sur cette course et j'ai réussi à marquer absolument tout. Mais en fait, il y a la caisse qui monte en niveau aussi. Donc ça aussi, c'est épreuve solo. Donc il y a vraiment une évolution au niveau des niveaux. Un petit peu partout. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Ok. Ah, j'ai débloqué ma première Audi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Donc voilà, les copains, dans tous les cas, donc je vais vous laisser donc sur ces... où est-ce que j'en suis? Continuer. Continuer quoi? Je regarde juste, j'appuie juste sur cliquer, je vais pas continuer en vrai. Je voulais juste voir mon profil en fait. Là. Accueil. Voilà, mon profil. Voilà, mon garage, c'est exactement ce que je voulais voir.
pour voir ma première ou la première UDI que j'ai débloquée. Ça va, elle est plutôt... Elle est cool. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est aussi... ouais. C'est pas foufou l'évolution qu'il y a entre elle et la Mini Cooper. Qu'est-ce qu'il y a dans les paramètres jeu? Est-ce qu'on peut justement boîte de vitesse automatique, vue en virage? Qu'est-ce que c'est? Un virage pour la caméra cockpit. La caméra s'oriente vers le tournant pour vous aider à voir la piste. D'accord. D'accord. Ok. Donc pour, là pour l'instant il n'y a vraiment aucune commande qui demande par rapport. Qui joue en tout cas sur la. Sur les, comment dire, sur les réglages pour que ça soit un peu plus entre guillemets simu ou autre affichage, j'imagine c'est pour la HUD, etc. Crédit et son, donc quoi, il y a vraiment rien du tout au niveau des réglages pour enlever la BS ou pour enlever différents éléments d'aide. Voilà, il y a rien à ce niveau là. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo découverte tout simplement sur Drive Club. Comme j'ai dit, je répète, hein, n'hésitez pas à laisser vos impressions sur la vidéo et puis n'hésitez pas aussi à laisser vos impressions sur le jeu, sur ce que vous en avez vu. Le test arrivera. Donc, oui, peut-être même déjà en ligne, donc sur Jagap à l'heure où je vous parle, puisque donc la vidéo ne sera pas postée avant le 7, même si on est le 27, donc c'est les embargos, tout ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à passer sur jecapte.com, les copains, ça fait toujours plaisir, c'est là que tout se passe, j'insiste, je me répète, mais c'est important pour nous, donc en tout cas, quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et ciao.